Donc on va avoir au fond le petit cône croustillant houmous ail noir. Au milieu sur le petit rondin de bois, on va retrouver une tartelette artichaut carpe fumée. Avec à côté, donc, on va retrouver les cromesquis à la persillade d'escargot. Bonne dégustation. Ça mousse. Donc on va retrouver l'émulsion de coco de Paimpol, petit crouton et poudre de champignons. Bonne dégustation. Ah oui, mais il est avec elle, mais je peux vous faire ça. Pour débuter le repas, donc on va retrouver le carpaccio de l'autre fumée qui va être accompagné de petits pickles de légumes de saison. On va retrouver du radis et de l'oignon rouge. Avec pour accompagner, on va retrouver le verjus. Très bonne dégustation. Madame, monsieur, pour poursuivre, vous allez avoir le foie gras mi-cuit en terrine. Il est accompagné d'une rhubarbe pochée. Vous allez avoir pointe de coing et poudre de pain d'épices. Bonne continuation à vous. Donc poursuivre, messieurs, dames, on sera sur le homard Nouvelle-Orléans avec un petit jus aux épices de cajun, chips de maïs et purée de patates douces. Très bonne dégustation. Alors, messieurs, dames, donc, pour continuer le repas, on sera sur la barbue donc, qui va être accompagnée. On va retrouver des petites jeunes pousses d'épinards marinées au gingembre. On va retrouver également les pois au crayon accompagnés de sa sauce chauron. Très bonne dégustation. Alors, madame, monsieur, donc, pour suivre pour le repas, on sera donc sur le canard vendéen, donc qui va être accompagné d'un petit jus aigre doux. On va retrouver également oignons nouveaux, petits pois accompagnés de panisse et de mûres. Très bonne dégustation. Alors, messieurs, dames, donc, on va voir pour le plateau de fromage, donc des fromages de la région, on va retrouver donc, les fromages de chef donc, de la ferme de la cabinette. Donc, pour les plus connus, on va retrouver le sel sur chair, le valencé et le saint de touraine juste ici. Et devant, donc, on va avoir un petit fromage originaire de chez eux, donc c'est le 11 et noix, fromage de chèvre frais. Et de la région, donc, je vais avoir deux fromages au lait de vache. Donc, de ce côté-ci, on va retrouver ici un camembert façon de Bria Savarin, avec juste devant, à la ferme de Poly également, un courchevernis. Donc on va avoir un demi-sec au lait de vache. Et donc après, des fromages un petit peu plus classiques, on va retrouver ici donc le comté, le Cantal, Maroilles juste devant, Livarot et Pont-l'Évêque. Et donc pour terminer sur les laits de vache, on va avoir ici le bleu d'Auvergne. Et autant pour moi, j'ai oublié celui-ci, donc de la région, la petite tome de Touraine, faite à côté de Tours. Et donc pour terminer, donc on va avoir un fromage de brebis accompagné de chèvres. Ce sera une tome brebis et chèvres, ici le Chistera. Alors madame. On va faire la photo. Alors madame, pour vous, donc pour terminer le repas, on sera donc sur les tuiles de brioche toastée, donc qui vont être accompagnées de petits zestes de citron confit. On va retrouver également à l'intérieur le sorbet citron vert basilic avec une écume de levure de caramel. Et monsieur, pour vous, donc on va avoir les fraises de la région. Donc poché, on va avoir également à côté la petite suite de fraises avec un petit crémeux mascarpone. Donc pour terminer pour les petites mignardises, donc on va avoir ici au milieu des petits crémeux de figues. À côté, on va retrouver les petites guimauves à l'anisette avec crémeux chocolat café. Excellent fin de repas.